Hey, c'est Cindy, j'espère que vous allez bien. Je suis pour une nouvelle vidéo où on va lire les nouvelles un petit peu sur la mise à jour qui s'est portée aujourd'hui. Donc j'espère que la vidéo sortira soit le 8, soit le 9. Donc bah, j'espère que ça sortira bientôt quoi. Et du coup, je vais vous lire tout de suite un petit peu ce qui est écrit sur la mise à jour. Donc bonjour les fans des Sims. Nous espérons que vous allez tous bien où que vous soyez dans le monde. Aujourd'hui, nous avons une mise à jour spéciale. Comme vous le savez, désormais, c'est notre première mise à jour qui se concentre totalement sur un pack sorti précédemment, afin de lui donner, pour ainsi dire, une nouvelle vie. Aujourd'hui, il est temps de prendre soin de soi pour et avec les Sims 4 Détente au Spa. Détente au Spa a pour thème la relaxation et la possibilité d'obtenir des moments pour soi et du bien-être bien mérité. Avec cette mise à jour, nous ajoutons des caractéristiques qui permettront d'améliorer cette expérience de bien-être. Nous espérons qu'elles vous plairont. En plus de ces améliorations, nous avons également pu résoudre quelques problèmes qui avaient besoin d'attention. Merci encore pour votre soutien permanent et vos commentaires. Chose Sims Co. Roski. Donc, quoi de neuf? Mise à jour de Détente au Spa. Tout le monde mérite plus de temps pour se requinquer et plus de moyens de le faire. Dans cette mise à jour, nous avons ajouté les éléments suivants. 3 nouvelles aspirations et un nouveau trait de caractère. Le chemin vers le bien-être est long, mais il en vaut la peine. Les Sims peuvent désormais opter pour 3 aspirations de notre bout de devenir. Spécialiste des soins pour soi et le bien. Pour les Sims qui veulent gagner de l'argent avec leur passion pour le fitness et le bien-être. Paix intérieure. Pour les Sims qui veulent atteindre l'harmonie ultime et apprendre à gérer leurs émotions négatives. Gourou Zen. Pour les Sims qui veulent partager le pouvoir du bien-être avec le monde entier, littéralement. Ils cherchent également à former leurs successeurs pour transmettre leur savoir. Je ne l'ai pas dit, mais bien évidemment, je vous mettrai le lien de ça dans la barre d'infos. Voilà. En plus de ces nouvelles aspirations, nous avons ajouté un nouveau trait de caractère pour ces Sims qui nécessitent un peu plus d'efforts pour que la brosse reste correctement alignée. Le trait exigeant permet à vos Sims d'effectuer des tâches en pleine conscience qui peuvent améliorer leur bien-être. Aucun problème n'est trivial, aucun besoin n'est excessif. Vous trouverez ces nouvelles aspirations et le nouveau trait de caractère dans Créer un Sims. Et n'oubliez pas l'abonnement au spa inclus avec ces aspirations. Il est très intuitif. En gros, quand vous avez ces trois, une des trois aspirations, vous aurez un trait de caractère bonus qui est un abonnement au spa, donc vous ne vous en payerez pas quand vous irez au spa. Voilà. Manicure et pédicure. Certaines personnes aiment se faire masser pour décompresser. C'est un très bon choix. Je crois que j'aurais moi-même bien besoin d'un massage. Mais ce que je préfère, ce sont les manicures et pédicures. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a quelque chose d'incroyablement relaxant dans le fait de choisir un modèle, une couleur et une forme, que d'avoir quelqu'un qui embojolie, oui c'est un vrai mot pour moi, vos ongles de la façon la plus méticuleuse qui soit. Les Sims peuvent désormais bénéficier de ces améliorations d'ongles ou en faire bénéficier gracieusement à d'autres Sims. Vous pouvez choisir un modèle, une forme, et voilà, les ongles de vos Sims seront fabuleux et vos Sims se sentiront fabuleusement bien. Et si vous ne voulez pas vous faire faire les ongles par un professionnel, j'y essaierai, je comprends totalement. Les Sims ont également accès aux mêmes options dans Créer un Sims. Vous pouvez ainsi appliquer ces options instantanément aux ongles de vos Sims. Des ongles instantanés, en quelque sorte. Vous pouvez choisir parmi une grande variété d'échantillons avec des associations de couleurs, des modèles ou juste une couleur unie pour chaque ongle de vos mains. Vous pouvez également sélectionner des couleurs unies, variées pour vos ongles de pied. Vous les trouverez dans la catégorie accessoires de Créer un Sims. Vous verrez une catégorie ongles de main et ongles de pied avec les différentes options. Nous voulions mentionner que dans cette mise à jour de Détente au Spa, nous avons un modèle créé par la merveilleuse Ebonix dans Créer un Sims. Ebonix est une créatrice de Sims extrêmement talentueuse et nous sommes ravis de pouvoir inclure une de ses créations et de la partager avec tout le monde. Donc pour ceux qui ne savent pas, Ebonix c'est celle qui... Enfin moi j'ai ses ongles cessés et du coup je les ai supprimés puisque maintenant on a des vrais ongles. Voilà. À propos du yoga et de la méditation, un cours de yoga peut désormais avoir lieu en dehors des spas et des salles de sport. Vous pouvez engager un professeur de yoga ou donner votre propre cours à partir du tapis de professeur de yoga. En parlant d'enseigner, les Sims peuvent également mener des séances de méditation guidées à partir de tabourets de méditation. Oh, je ne vais pas oublier de mentionner que les enfants peuvent aussi pratiquer et enseigner le yoga et la méditation. Donc moi, j'ai pas d'étendue sur spa, mais je trouve que c'est assez bien en ce moment ce qu'ils font. De pouvoir vraiment avoir plein de trucs pour les enfants, donc cuisiner, faire du yoga, de la méditation, jardiner, donc c'est super.
Nouveaux objets, masques pour le visage, waouh! Dans le cadre de cette mise à jour, nous avons également ajouté quelques nouveaux objets et un échantillon de couleurs dans le mode construction. Il inclut notamment une luxueuse table de massage et un fauteuil de massage qui peut également être utilisé pour les manicures et les pédicures pour une expérience de relaxation totale. En plus de ces objets, nous avons ajouté dans la routine de soins pour soi de vos Sims la possibilité d'acheter et d'appliquer des masques pour le visage. Ils sont disponibles dans une grande variété de modèles précurrents différents bienfaits. Pour un accès plus facile, nous vous recommandons d'avoir sur votre terrain préféré le mini distributeur tiédeur du Docteur Douceur. Donc c'est un réfrigérateur, si vous voulez dire là. Cette version miniature du réfrigérateur original peut non seulement stocker vos poissons préférés dans un espace contact, mais en plus, vos Sims peuvent l'utiliser pour acheter des masques pour le visage. Au fait, nous lui avons testé la nouvelle boisson Super Concombre et le décilieu en cas tranche de concombre. Ils sont également disponibles dans cette mise à jour. Donc en gros, par exemple, ce qu'on a vu sur le live des Sims Go, quand les Sims, en tout cas quand ils voient la boisson Super Concombre, ils sont concentrés, donc ça peut être assez sympa pour les enfants de leur faire boire ça. Et comme ça, ils sont concentrés pour faire des activités, pour leur faire avancer. Ou pour d'autres choses, pour les faire avancer pour leurs compétences. Donc, mise à jour du jeu de base. Pour ceux qui ne possèdent pas des Tantospads, nous voulons aussi vous gâter. Pour les joueurs du jeu de base, nous avons ajouté des options d'ongles pour les mains et les pieds dans un créé un Sims. Comme dit précédemment, il y aura des options dans la catégorie ongles de main et ongles de pied de créé un Sims. Il y aura une grande variété d'ongles unis et d'ongles avec plusieurs couleurs disponibles pour le jeu de base. Correction de bugs. Console, nous avons résolu un problème à cause duquel certaines commandes fonctionnaient mal lorsque les joueurs étaient dans le menu options du jeu. Elles auraient désormais fonctionné correctement. Les Sims 4, les nouvelles parties ne devraient plus subir la génération automatique des foyers vides et l'augmentation de la taille de la sauvegarde et le ralentissement des performances de cette génération provoquée. Ok, que cette génération provoque. L'équipe peut continuer à chercher comme corriger en toute sécurité les sauvegardes existantes qui ont ce problème. Nous avons reçu un problème à cause duquel l'association des chaises issues du contenu personnalisé et de certains objets crée des problèmes de routage des Sims. Parfois, dans certaines sauvegardes, des Sims perdaient leur nom en allant sur certains terrains, notamment sur le terrain gothique, mais cela pouvait arriver n'importe où. Si un Sims n'a pas de nom, est-ce qu'il existe? Je peux vous garantir que les gothiques n'étaient pas impliqués, mais ce problème ne devrait plus survenir. Vous avez déjà eu besoin de commenter à manger ou à boire, mais pas envie de le faire? Moi aussi. Cependant, le problème des Sims et des PNJ qui ne peuvent pas commander à manger et boire de façon autonome a été résolu. Que les commandes commencent. Avez-vous remarqué que vos Sims faisaient des activités de finesse ou de danse alors qu'ils n'aient pas cela? Bizarrement, ça ne devrait plus arriver tant qu'ils continuent à pas aimer cela, bien sûr. Remarque, malheureusement pour les victimes, les Sims peuvent toujours choisir de la musique qu'ils n'aiment pas sur une chaîne Hi-Fi afin de tourmenter d'autres Sims et joueurs à proximité. Nous avons résolu le problème suivant dans le mode construction. Il manquait quelques échantillons de couleurs à la fenêtre méga. Double budget, grand luxe, de luxe léger, qui s'affichait comme étant vide. Alors, ça, je l'avais pas vu. Parlons des mono-sourcils. Sont-ils tendance, soutenir regard, peu importe. Tous les sourcils sont-ils bienvenus? Nous avons résolu un problème à cause duquel le mono-sourcil plus épais n'était pas disponible pour les Sims ayant une ossature féminine. Et le monosourcil plus fin n'était pas disponible pour les Sims ayant une ossature masculine. Tous les monosourcils sont désormais disponibles pour les deux ossatures. Avez-vous déjà remarqué un emplacement invisible sous la table, toutes sortes de choses? Nous, oui. Et même si je pense que si elle s'appelle toutes sortes de choses, elle pourrait avoir toutes sortes de choses n'importe où. Enfin, je suppose. Ce n'était pas acceptable et nous avons donc corrigé cela. Donc, j'avais pas vu. Donc, au travail, la coiffure, etc. a été identifiée. a été identifié correctement dans la catégorie de coiffure chignon. Est-ce là encore un chignon si le chignon est bas au bas du crâne? C'est le genre de question que je me pose parfois. Écologie. Si vous avez remarqué l'absence du tableau de votre communautaire dans certains endroits de Pâques dans le mode construction Neikan, il a été retrouvé. Il devrait être de retour sain et sauf dans le mode construction. Non, ça, j'avais pas remarqué. J'ai l'impression de dire ça à chaque fois. Décoration d'intérieur. Vous avez déjà eu une décoration tellement belle que vous ne pouvez pas dormir parce que vous deviez absolument la regarder. Même si nous voulons que vos Sims adorent leur décoration et leur style, nous avons trouvé un peu excessif le fait qu'ils ne dorment plus et se contentent d'admirer leur intérieur. Cela ne devrait donc plus arriver. Ah oui, c'est vrai, parce que des fois je faisais dormir mes Sims et ils se réveillaient en pleine nuit juste pour gagner un tableau. C'était pénible. Mais du coup, voilà. Donc, du coup, on va pouvoir aller dans les Sims. Donc, voilà. Donc, j'ai mis
tous les objets qui ont eu des nouvelles couleurs. Donc c'est le petit peignoir qui est là. Et du coup, normalement, on avait cette couleur, cette couleur, cette couleur et cette couleur. Donc maintenant, ils ont rajouté un violet, un blanc complètement blanc cette fois-ci. On a un petit rose pâle, je pense, un rose un peu plus flashy, un violet pâle, un vert assez pâle, flashy, je sais pas comment dire. En tout cas, on a un blanc avec des petites lignes un peu rosées, dorées, je ne sais pas encore. Là, un rose entier, un peu ça, mais sans les lignes blanches. Là, on a de cette même couleur vert, on va dire vert turquoise pastel, je ne sais pas encore, avec des lignes bien vertes. Là, on a jaune. Là, on a un bleu violet. Là, on a un beige. Donc là, on a un rouge avec des bandes noires. Là, on a un vert avec des bandes vertes. Un jaune un peu plus clair, donc peut-être un peu plus moutarde, pastel. Et là, un rose un peu plus flashy. Donc voilà. Après, ce qu'il y a eu d'autre comme changement, nous avons eu ces serviettes. Donc celle-là, où au début, il y avait, je crois, que des coloris très basiques. Donc le noir, le gris, le blanc. Et voilà, je crois que c'était tout. Il y en avait peut-être un marron ou un rouge, mais je m'en souviens plus. En tout cas, maintenant, on a un blanc, un vert, un gris, un jaune pâle, un noir, un bleu clair, un vert clair, un rose saumon, un bleu marine foncé, un rose pâle encore, un blanc, un rouge, un rose assez fuchsia, un vert kaki, un truc assez beige, donc vert encore, mais peut-être plus foncé que le kaki, un bleu, un noir avec des bandelettes rouges et pas jaunes. Là, on a un blanc. On a encore un vert bleu, je dirais un jaune flashy, un violet clair, un marron, un vert très clair, je pense, si je suis daltonienne, et un petit rose beige. Et là, on a un rose plus foncé. Donc, ça fait beaucoup de couleurs. Je suis assez contente pour mettre un peu plus de peps dans nos petites. Donc là, on a les quatre couleurs du début qui étaient rose. Je crois que c'était tout ça, sauf qu'il n'y avait pas le violet. Peut-être, je pense que c'était ça. Et du coup, ils ont rajouté un blanc, un beige clair, un rose, un violet, un vert, un bleu, un blanc. Donc c'est bien qu'il y ait un blanc blanc, parce qu'avant le blanc était gris. Donc là, on a un noir, un rouge, un rose fuchsia, un vert kaki, un jaune. Et là, on passe à des couleurs qui ne sont pas les mêmes. En fait, il y en a une d'une couleur et la deuxième de l'autre. Donc ça, c'est assez sympa. Donc un gris, un blanc, un gris, un noir, un beige, un marron, un bleu turquoise et un bleu marine, un violet pâle et un rose pâle, un rouge et un noir. Voilà. Et du coup, après, on a eu les bougies. Donc je crois que de base, il y avait cette couleur, donc beige, noir, blanc, rouge et peut-être marron, je me souviens plus. Du coup, ils ont rajouté rose, beige, jaune, bleu, jaune, rose fuchsia, gris, vert pâle, rouge et je sais pas comment dire, beige très foncé. Et donc là, on a plein de nouvelles couleurs de vernis, c'est assez logique puisque du coup on a les manicures et pédicures qui arrivent. Donc que des trucs noir et blanc, un truc assez beige marronné, un truc assez doré argenté, rouge noir, nous avons je pense du rose et du rouge, un bleu, du vert, des dorés orange, violet et un peu pas mal de couleurs, donc ça c'est sympa. Donc voilà, maintenant on va se retrouver dans quelques secondes, je vais dire ça comme ça, pour vous montrer ce qu'il y a dans le Crayon Sims. Donc voilà la maison que, enfin la maison, la famille que j'avais fait pour le challenge de Enel, du coup, qui habite dans ma maison. Donc peut-être que vous pouvez la voir sur ma galerie, je pense, puisque j'ai partagé pour participer au challenge. Et du coup, c'est une famille avec mère, sa famille et trois chiens. Donc c'est parti pour remplacer la maison et vous le foyer et vous le montrer. Donc on a trois chiens qui sont, je crois que c'est des frères et sœurs. Donc si on regarde, voilà, frères, normalement lui c'est, ils sont tous frères de base, mais si ça a bugué, je sais pas, c'est bon, ça a plus bugué. Donc on a les trois petits chiens, donc on a Maya, Wallet et Milo, donc vous les avez sur ma galerie. Donc on a la mère qui s'appelle Julie Monade, donc Limonade, désolée, j'aime bien faire des petits jeux de mots. Donc on a My Limonade, donc l'adolescente. On a la Limonade, la fille.
Le bambin, donc les petits jumeaux, donc Lily Monade et Charlie Monade. Donc c'est parti pour aller regarder les petits ongles. Et je pense que je vais partir déjà sur la fille parce qu'on verra mieux ses mains. Donc quand on clique sur le corps, on a accessoires et du coup on a ongles des pieds et ongles bah, des mains. Donc on en a 4 avec le jeu de base et beaucoup plus avec, bah, avec le pack des destinations nature. Donc on a du noir, du vert, du violet pâle, du bleu pâle, du rose pâle, du rose fuchsia, du rouge, du orange, du blanc, du jaune, du bleu foncé, du marron, du rose toujours pâle et du gris. Donc après on a des couleurs un peu différentes, donc des mélanges, donc ça c'est assez sympa. Après il y en a, ça fait un peu des dégradés et d'autres ça fait complètement pas du tout la même couleur, donc ça peut être sympa pour des enfants ou des bambins. Ah celui-là ça fait un arc-en-ciel, c'est assez mignon. Donc après on a tout noir avec un rose, on a ça plusieurs fois. Donc voilà, après on a le même que là-bas dans d'autres couleurs, mais en fait les ongles sont plus courts. Et là on a la même chose que ceux-là, mais en ongles plus courts. Donc pour elle, je pense que je vais lui mettre un truc pas coloré, mais peut-être assez pâle. Je partirai bien sur du rose. Voilà, donc je vais partir sur la petite fille pour lui mettre quelques petits ongles. Et du coup, on va partir sur les ongles assez colorés. Donc je vous montrerai les ongles des mains un peu plus tard. Donc soit je mets les ongles courts, soit je mets les ongles longs. Je pense que si un enfant, elle va garder les ongles courts. Donc on va partir sur les petits bambins. Et là, je vais vraiment faire des ongles très colorés. Donc on a ceux-là. Et du coup, je vais penser que je vais faire l'arc-en-ciel. Voilà, je vais mettre le petit arc-en-ciel. Voilà, donc c'est parti pour mettre les ongles de la mère. Donc je pense que pour elle, elle aurait des ongles tous de la même couleur. Ou peut-être que pas, peut-être qu'elle s'est fait un petit assortiment. Je vais lui mettre les ongles noirs, mais ça ferait un tout petit peu trop. Ongles violets, c'est assez sympa. Donc maintenant, je vais aller regarder les ongles des pieds, donc on ne le voit pas comme ça. Donc je vais pouvoir hop, enlever. Et du coup, on va pouvoir regarder ce que ça donne. Donc on a une couleur assez beige, donc noir, bleu, bleu clair, marron, vert, violet pâle, rose pâle. Rose fuchsia, rouge, orange, blanc, jaune, gris et rose pâle. Donc je pense que je vais mettre un truc assez sympa. Donc peut-être rose violet, c'est pas embêté. Elle a mis les mêmes choses, les mêmes couleurs d'ongles partout. Voilà, donc on va passer sur la fille. Donc, du coup là on les verra avec ses chaussures. Donc ça c'est bien. Donc ongles des pieds, je partirai peut-être sur une autre couleur, donc je partirai bien sur du jaune. Pour la fille, je pense que je vais lui mettre à peu près les mêmes couleurs, enfin un peu le même style. Donc, ah bah oui, mais du coup on l'a pas. Peut-être qu'elle mettrait du jaune comme sa grande sœur, qu'elle a déjà un pantalon jaune. Et du coup, le petit bambin, on voit pas. De toute façon, je crois qu'ils n'ont pas d'ongles de pied. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!